Autrefois, le roi des villes invita le roi des champs. D'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Un ortolan, c'est un petit oiseau migrateur qui est petit, mais il paraît que c'est un vrai délice. Vous savez que dans certaines cultures, on rote pour montrer qu'on a bien mangé. Alors, qui en est ? Qui en est ? Doucement, il y en a pour tout le monde ! Doucement, doucement, les lapins ! Le rat des villes et le rat des champs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fable qui s'appelle « Le rat de ville et le rat des champs ». Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, ça, tout le monde comprend. Ça devient compliqué après. D'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Si... Oui, toi, tu as une idée ? Fort civile, c'est fin, pas éduqué, mais... Civil, ça vous fait penser à quel autre mot ? Civilisé. Et c'est quoi le contraire de civilisé ? Oui. Sauvage. Sauvage. Donc, autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un ortolan ? C'est un ortolan. Un ortolan, c'est un petit oiseau migrateur qui est petit, mais il paraît que c'est un vrai délice. Oui. Ils vont manger des oiseaux. Ils vont manger des oiseaux, mais pas n'importe quel oiseau. Ils ne vont pas manger des ortolans, que c'est, paraît-il, un repas fabuleux, délicieux, exquis. Et puis des reliefs d'ortolans, alors attention, parce que des reliefs d'ortolans, en fait, c'est des restes d'ortolans. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que quand le rat des villes invite un ami, eh bien, il donne le meilleur, parce que les reliefs d'ortolans, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Sur un tapis de Turquie, c'est quoi un tapis de Turquie ? Comment on dirait aujourd'hui ? Un tapis turc ? Oui, on peut dire un tapis turc, ouais, ou un tapis d'Orient. C'est plutôt des tapis jolis ou des tapis un peu mal faits ? Jolis. Les tapis d'Orient sont des tapis très bien faits et qui sont très précieux. Donc on voit qu'il fait vraiment bien les choses, là, le rat de ville. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Vous savez ce que c'est que le couvert ? Oui. Je laisse à penser la vie que firent ses deux amis. Ben, ça veut dire qu'ils laissent deviner ce qu'ils ont fait. Voilà, je vous laisse imaginer ce qu'ont fait nos deux amis. Le régal fut fort honnête. Qu'est-ce que ça veut dire, le régal ? C'est-à-dire que c'était très bon. Oui, il pourrait dire le repas était très bon. Mais il dit, le régal fut fort honnête. Vous entendez la musique ? Il fut fort honnête, ça nous met presque l'eau à la bouche. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Est-ce que c'est un repas normal ? Non. C'est quoi un festin ? Quand est-ce qu'on fait un festin ? Pour les grandes fêtes. Les grandes fêtes, c'est une grande fête. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. Il y a quelqu'un qui arrive et qui gâche tout. Exactement, il y en a un qui vient casser l'ambiance, qui vient troubler la fête pendant qu'ils sont en train de quoi ? De manger. Hein ? De manger. Ils sont en train de manger. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Pourquoi il détale ? Ça veut dire quoi ? Détaler. Qui sait ce que ça veut dire détaler ? Détaler, tu sais toi ? Il part. Mais il part comment ? Il part l'ensemble ? En courant. Ah, quand on détale comme des lapins, on dit, tu sais, on part très très vite. Et pourquoi il détale ? Pour ne pas se faire choper. Pour pas se faire choper, parce que si jamais, imaginez, des rats, ils ont dû attraper un relief d'ortolan quelque part sur une belle table, ils sont mis sur un beau tapis, ils commencent à grignoter ces restes, et puis ils sont bien, ils sont tranquilles, puis tout d'un coup ils entendent du bruit, on sait qu'ils sont dans une salle, c'est les restes, ils sont pas à eux, ils les ont pris quelque part, vous êtes d'accord ? Alors ils sont dans une maison à quelqu'un ? Ils sont chez quelqu'un, ils entendent du bruit, et ils partent parce qu'ils ont peur de se faire choper. Voilà, ils ont peur de ça, ils ont peur de se faire attraper. Le bruit cesse, on se retire. Il n'y a plus de bruit tout d'un coup. On se retire, donc ça veut dire que les gens qui faisaient du bruit sont partis. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôle ». Vous comprenez ce qui se passe ? Il y a celui qui est citadin, qui vient de la ville, qui dit comme le bruit est arrêté, ben, qu'il revienne dans la maison pour finir de manger.
Exactement. Un rat, vous savez ce que c'est, un rat? Oui. Vous savez que dans certaines cultures, on rote pour montrer qu'on a bien mangé. Dans d'autres cultures, oh là là, si on rote à table, on ne va pas être content. Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent roter? Oui. Il y en a qui savent roter? Qui sait roter? Que les roteurs lèvent la main. Alors, un roteur, une roteuse, une autre roteuse, un roteur. Là, on ne s'est pas roté par là? Non. D'accord. Vous faites comme le rat. Donc quand il dit « achevons tout notre rat », ça veut dire « terminons de manger ». Maintenant, on dit le citadin, celui de la ville. « C'est assez », dit le rustique. C'est qui le rustique? Ça veut dire quoi, rustique? Celui qui vient de la campagne. Celui qui vient de la campagne. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. » Qu'est-ce qu'il dit, celui qui vient de la campagne? Là, il dit « mais rien ne vient m'interrompre ». Ça veut dire que j'entends un bruit. Voilà. C'est un peu interrompu, puis la campagne, c'est plus calme, il n'y a pas de bruit. Exactement, c'est exactement ça. Le rat des champs dit à son copain de la ville, il dit, c'en est assez, maintenant moi j'en ai marre. Demain, vous viendrez chez moi. C'est pas que je me pique, ça veut dire, c'est pas que je me vexe ou que je veux me vanter de faire des festins de roi à la campagne. Je ne peux pas faire des festins comme vous avec d'aussi bonnes choses. Mais, par contre, chez moi, rien ne vient m'interrompre. Personne ne vient me déranger. Je mange tout à loisir. Je mange tout à loisir. Qu'est-ce que ça veut dire, je mange tout à loisir? C'est qu'il mange comme il veut, tout ce qu'il veut. Il mange comme il veut, tout ce qu'il veut. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Quelqu'un a compris? Oui. Adieu donc, au revoir. Ouais, salut. Fille du plaisir. Ça veut dire tant pis pour le plaisir. Tant pis pour le plaisir. Que la crainte peut arrêter, qu'il n'y ait plus de crainte. Tant pis pour le plaisir que la peur peut gâcher, qui peut être gâché par la peur. Alors, ce que je peux essayer de faire maintenant, c'est de vous la réciter. Rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « achevons tout notre rat ». « C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, et fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » C'est original, comme histoire, quoi. Oui. Parce qu'on l'entend partout. D'accord. Et puis qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? En fait, c'est parce que le rat, genre des villes, genre la ville, c'est pas genre toujours propre. Et qu'est-ce que tu as aimé, toi? Que j'ai appris d'autres mots, d'autres phrases. Tu as appris des mots et des phrases. Par exemple, quel mot tu as appris? Ben, d'ortolan. Des ortolans. Des ortolans. Vous vous souviendrez, c'est les petits oiseaux. D'autres choses qui vous avez... L'expression « achevons tout votre rat ». Achevons tout notre rat. Donc si jamais ce soir... Vous êtes à table et puis que vous mangez, puis que vous vous interrompez un petit peu. Quand vous voulez terminer le repas, vous pouvez dire « achevons tout notre rat ». Tu peux dire ça à ton père ou à ta mère, d'accord ?« Achevons tout notre rat, papa ». D'accord ? Hein ? Tu peux essayer de la placer ce soir. Alors, maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on aille tous ensemble, vite, au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Vous venez ? Allez, on y va ! Comment ça va? Bien. Bon, alors, regardez ce qu'il y a là. Ah, des rats. Des rats, oui, mais pas n'importe quel rat. Ça vous rappelle quoi, ces rats? La fable de qui? Le rat des villes, de la fontaine.
Le rat des villes de La Fontaine, c'était ça le titre? Le rat des villes non, de La Fontaine? Le rat des villes, le rat des champs. Ah, et puis c'est qui l'a écrite, cette femme? Le Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Alors ici, j'ai la fable en petit. Elle était en grand sur le tableau quand on était dans la classe. Oui. Maintenant, je l'ai en petit. Elle est là. Moi, alors, veux qui en veut? Qui en veut? Elle est là, elle est là. Doucement, elle est là pour tout le monde. Doucement, doucement, elle est là dedans. Allez, bonjour, allez, bonjour. Au revoir les enfants. Le rat des villes et le rat des champs. Autrefois, le rat des villes invita le roi des champs. D'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvercle se trouve à mis. Je laisse à penser la vie que firent ses deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville d'étale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Le rat en campagne aussitôt. Et le citadin de dire, achevons tout notre héros. C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Si toi aussi tu connais cette fable, envoie-nous ta vidéo. On mettra en ligne les plus chouettes.